Shiur Lilu Nishmat, Zari Bat Azarda Avraham, Raviyo Ben Tuva Baya, Rafsadia Ben China Chana, Charli Shlomo Ben Miriam, Yaakov Shalom Ben Rachel, Yefua Shema Rav Moshe Ben Zari, Aniana Chaya Bat Rosin Urchama, Ravichia Ben Aisha, Neoray Mir Ben Mazal, Rivka Bat Raizel, Rav Gad Ben Esther, Nisim Refel Ben Natali Rivka, Jaki Ben Aida, Shaul Ben Sara, Avraham, Albert Ben Michal Zohara Michelin, Echaya Esther Bat Chana Betor Shach Olam Israel, le Chafetz Chaim, Klalbet, Otudbet, Odraïti Lirtov d'avoir Echad Befirouch. Il dit, je vais vous expliquer encore un truc sur cette histoire de appeler l'attaque. On dit du Lachonara devant trois personnes, alors on a le droit de le répéter. Ça dépend. Mais Pene, Shiraïti, Sharbe, Anashim, Urgalim, Bezé. Il y en a plein qui ont l'habitude d'appliquer cette halakha très facilement. Veuk Shedore, Shechad, Bebet Amidrash, Asur Alpi Adin, Alig Mimeno. S'il y a quelqu'un qui fait une drasha au Bet Amidrash, Asur de se moquer de lui. Le marché, Bidrashota, Mamachen, Malishmoa. Tu n'as pas le droit de dire, non, de toute façon, il dit rien. Il n'a rien dit. Il a fait un chiot, il se répète. Tu n'as pas le droit de dire ça. Babonoté, Noir Abim, Rayenou, Sharbe, Anachim, Proutsim, Bezev, Velo, Yechashwala, Gazeli, Surklal. Il pense que c'est moutard, puisque finalement, on était 500 au Beth Amidrash. Tout le monde a entendu. Tout le monde sait que c'est des bêtises qu'il dit. Assour, Papi, Vealpi, Adin, ou Lachonara, Gumura. J'allais dédier Bourkazé, Matsui, ou Chegorem. Ezek le chaver obem amono, parce qu'il y a choliot que behemet tu vas être gorem un ezek. Kama peamim tsar ou biyush, tu vas le vexer, tu vas lui faire honte. Kilo yeshu devar emet, alo lachon ara asura filo al emet, même si c'est vrai. Kimato eled mechaven amalik mitlotset sachar ze belet sanuto. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu gagnes? Stam tu te moques? Kim bal nefeshu, adraba tsarich le etzlo acharkar beno le ben atzmo, le arich le fanav shiorach. Chez Omar Bafani Macherim, il faut le prendre en privé, lui dire, regarde, ce que tu dis c'est bien, mais il faut le dire d'une autre manière. Les gens ne sont pas captivés. Il faut le dire gentiment. Chez Ofenze, chez Omer Ata en Dvaram Nishmaim, ce que tu dis maintenant, on ne t'écoute pas. Et grâce à ça, tu seras aussi Mekahem, le din de Avtali Racham, la compagnie. Je vais assurer les désirs, les larmes, puis à briller. C'est sûr qu'il faut pas se moquer. Velo mais un baiser etera de apetlata. Et c'est sûr que il y a pas le éther de apetlata sur ça. Que moi je suis bien dans le ber maïm chaim, comme il explique dans le ber maïm chaim. Mais en kan makom les harir. Daf samer. On est daf samer hamoud alef dans ma sechet shabbat. On est exactement. Oh, on est à la quatrième ligne. Alors hier, on a vu un dîner intéressant. La bague, d'accord, avec un chotam, pour poinçonner, pour signer. Oui, est-ce que c'est un tarchit ou pas? Hier, on a dit non. La preuve, c'est que dans notre Mishnah, la Mishnah Bémet sera méforée dans la Mishnah prochaine, si elle sort avec une bague avec un poinçon, la femme, elle est chayavet ratat. Quand est-ce qu'elle n'est pas chayavet ratat? Quand il n'y a pas de poinçon, quand c'est un bijou. Machma que quand il y a un poinçon, c'est pas un bijou. Pourtant, on a ramené une braïta qui dit que ben chotam ou ben shen la chotam, c'est un bijou. Alors, on avait une question hier. On a dit oui, notre Mishnah, c'est Rabbi Nechemia qui dit qu'on va d'après que le ikar, c'est le chotam, et donc c'est pour ça que c'est pas un bijou. Mais la braïta qui dit que c'est un tarchit, c'est d'après Rabbanan. Ça, c'était le premier tirutz aujourd'hui. Rabbama, les tzadim katane. Rabba, il dit, mais on n'a pas dit que c'est un bijou pour la femme. On a dit que la bague qui a un tampon ou qui n'est pas un tampon, ça peut être un bijou pour l'homme ou pour la femme. Qui est-ce qui porte la bague avec le tampon? L'homme. Et sans tampon, la femme. Les tzadim katane. Yesh alia chotam. S'il y a un chotam sur la bague, tarchit deish, c'est pour un homme, parce que c'est les hommes qui signent les lettres. En alia chotam. S'il n'y a pas de chotam, tarchit deish. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours un tarchit. Non, ça dépend pour qui. Et bien, on verra dans la prochaine Mishnah que ce qui est valable pour une femme, c'est inverse pour l'homme. C'est-à-dire que la femme, elle a le droit de sortir. Enfin, c'est pas Minatora quand elle sort avec une bague en bijoux. Pour l'homme, ce sera Minatora. Ramach Bar Yitzhak, troisième tirout, Samar, Touma, Shabbat Karamit, quel rapport? Quand on a dit que la bague avec ou sans Chotam, c'est Mekabel Touma, on n'a pas dit que c'était un Tarchit. On a juste dit que c'était un Mekabel Touma. Touma, Klima, c'est Amar Achmana. La Torah, elle a parlé d'un Kli. Bien, c'est un Kli. Mais Kli où? Shabbat, Meshum Masoy. Par contre, les gabé Shabbat, c'est pas un tarchit. Donc ça n'a rien à voir, Touma, avec Shabbat. Masoy Amar Achmana.
Donc en deux mots, la braïta qui nous disait que ben shesh lachotam, ben shen lachotam, ça ne peut pas dire que c'est un tarchit, ça veut juste nous dire que c'est mekabel touma. Mais ne viens pas apprendre de là, ah donc c'est un tarchit et donc tu es maqché sur notre mishnah. Beléolam, avec rotam c'est pas un tarchit, mais ça sera quand même mekabel touma parce que c'est un kli. Omer et agmara. Velo be machat shen anekoua, donc elle n'a pas le droit de sortir avec une machat, une sorte d'épingle, ouais. Si elle est pas, quand elle n'est pas trouée. Si elle est trouée, on verra, c'est de Raïta. Si c'est pas trouée, c'est de Rabanan, c'est Asso. Les Maïchazia, à quoi ça sert cette machat, cette épingle? Amar Rav Yosef, Oil Vesha Ogeret Baseara. Elle peut, avec ça, s'attacher les cheveux. Par exemple, quand elle va se faire un chignon, ouais. Après, il y a des petits cheveux qui sortent du chignon. Alors, elle prend ses petits cheveux, elle les entoure autour de l'épingle, et tac, elle plante dans son kisouille. Comme ça, au moins, il n'y a pas de cheveux qui sortent. Ah, Marley Abaye, tu es avec Birit. Alors, c'est comme une Birit. Et la Birit, c'est Théora. C'est quoi Birit? Pour pas que les chaussettes, elles tombent, elle mettait une sorte d'élastique autour des chaussettes pour pas qu'elles tombent. Et c'est Taor, c'est même pas Mikabel Touma. C'est parce que c'est pas un bijou. Alors, ça devrait être pareil. De la manière que les chaussettes, elles doivent pas tomber, et elle a le droit de sortir avec ce Birit. Mishtare, mais Tishtare, ça devrait être Moutard. Alors, l'épingle aussi, ça devrait être Moutard. Elle va pas l'enlever puisqu'il y a ses cheveux qui sortent. Et là, c'est quoi cette épingle? Tirgema varada narsha kamed rav Yosef oil veisha choleket baseara be shabbat. Une femme, elle se peigne avec. Une sorte de peigne. Shabbat, on n'a pas le droit de se peigner les cheveux. Ok? De s'aplatir les cheveux. Mais elle peut s'en servir aussi comme une pince. Ça existe, ça. C'est des gros peignes comme ça. Que quand elle met dans les cheveux, ça tient. Ça fait comme une pince dans les cheveux. Mais ça peut servir aussi de peigne. En semaine, elle se peigne avec. Et Shabbat, elle se met dans les cheveux. Les maïchazia, à quoi ça sert? Arrête, finalement, le Shabbat, elle ne peut pas se peigner les cheveux. Amarava, tas, shelzaav, yeshla. Dans ce peigne, il y a une plaque en or. Al rocha, bechol, choleket, baseara. En semaine, avec le deuxième côté, elle est choleket et seara. Donc, soit elle se fait des coiffures, soit elle se peigne les cheveux. Be Shabbat, où elle n'a pas le droit de faire ça. Manichata, keneged, padarta. Elle met le peigne contre son front. Et ça fait joli. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas le droit de sortir avec Shabbat. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Cholette qu'elle va l'enlever pour montrer à sa copine. Mishnah. Lo yetzayish besandal amesumar. On n'a pas le droit de sortir avec des sandales, pas des chaussures. Des sandales quand il y a des clous dessous. Comme des chaussures de foot, mais des sandales avec des clous. C'est assour. On n'a pas le droit de sortir avec ça Shabbat. La nienne, hein? Pourquoi à ton avis? Bizarre. Il va montrer à son copain. Il va montrer ses chaussures de foot. Donc, lo yetse aish be sandal mesumar, dafka sandal, et qui sont cloutées. Velo biachid, avec une seule chaussure. Bisman shen beraglo maka, si tu n'as pas de problème au pied. C'est-à-dire que si Bémet, quelqu'un, il a le pied qui est enflé, il ne peut pas mettre les deux chaussures. Donc, il y a un pied qui va rester sans chaussure, et un pied, il va mettre la chaussure. Alors là, c'est moutard, parce que les gens ne vont pas se moquer de toi. Tu ne vas pas avoir honte, parce que tout le monde voit que tu as le pied dans le plâtre, par exemple. Quelqu'un qui a le pied dans le plâtre, il ne peut pas mettre les deux chaussures. D'accord ? Mais si Bémet, tu n'as pas le pied dans le plâtre, si quelqu'un n'a pas de maca et qu'il met une seule chaussure, les gens ils vont se moquer de lui. Et donc il y a un khachash, soit qu'il va la porter, parce que les gens ils se moquent, soit que les gens ils vont dire « Ah, la deuxième chaussure, il la porte dans son sac. » Vélo pied filine, on n'a pas le droit de sortir avec pied filine. Vélo pied kamia, bisman cheno minam mumre. On n'a pas le droit de sortir avec une kamia si elle ne vient pas d'un mumre. Si elle vient d'un mumre, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Rachid dit c'est comme un malbouche. Parce que Bémet, les gens, ils font. Le mairie, il dit étant donné que les gens, ils savent que ça marche, c'est une caméa qui marche, qui va guérir, alors je veux la garder. Mais si c'est pas d'un moumré, il y a chaleur que Bémet, tu n'as pas marché vota qui malbouche. Vélo béchirion, tu n'as pas le droit de sortir avec une armure, parce que l'armure, c'est pour faire la guerre. Vélo bécasda, avec un casque de guerre. Vélo bémagafaïm, des jambières pour faire la guerre. Bref, on n'a pas le droit de sortir avec l'armure de la guerre. Vémiatza et no chayav khatat, mais s'il est sorti avec quand même, il ne sera pas chayav khatat. Pourquoi? Parce que c'est derrière malbouche, c'est un habit. La Gemara explique sandal à mesumar. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on n'aurait pas le droit de sortir avec des sandales quand elles sont cloutées? Makara, Maitama, Amar Shmuel. Shmuel vient et dit Shalfe Akzeraï. Il y avait des gens qui fuyaient les Xérotes. C'est-à-dire qu'à plusieurs périodes dans l'histoire du peuple juif, il y a eu des Xérotes. Les Romains, les Goïm, les Yévanim faisaient des Xérotes. On n'avait pas le droit d'être Mekhaïm les Mitzvot. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils s'enfuyaient. Ils allaient se réfugier dans des grottes pour pouvoir aimer quand même les mitzvot.
Ils se cachaient dans les grottes. Et il y avait un code. Il y avait de la terre devant la grotte. Il disait, celui qui rentre, il rentre, mais tu n'as pas le droit de sortir. Une fois que tu es rentré, tu ne sors plus. Pourquoi ? Parce que quand tu rentres, tu peux faire attention que personne ne t'observe et qu'on ne va pas découvrir la grotte où tout le monde se cache. Mais quand tu sors, il y a regarde que tu as tombé nez à nez avec un garde et à cause de toi, les gens ils vont être découverts. Donc quand tu rentres, tu ne sors plus. Ok ? Maintenant, quand tu rentres, tes pas sur le sol, il laisse une marque. On voit que tu es rentré. Et tu n'es pas dans le sens de la sortie. Et Népar Sandalo chez les Khalmen, une fois, il y en a un, il a mis la sandale à l'envers. Alors, pas mettre les chaussures à droite, celle de droite à gauche, comme on aurait pu faire. Non, eux, la sandale, il accrochait au milieu. Ça fait que tu pouvais mettre le pied dans tous les sens, à l'endroit comme à l'envers. Néanmoins, il y avait quand même une forme de devant et derrière. Donc le gars, au lieu de mettre le devant devant, il a mis le devant derrière. Il a mis la sandale à l'envers, complète. Et donc il a marché en rentrant, mais quand on voit ses pas, qu'est-ce qu'on croit ? Qu'il est sorti, Khazakoubao. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont eu peur. Népar sandalo chez les Khadmen, Kasourine, ils pensaient, Khadmen, Yatsa, qu'il y en a un qui est sorti. Et ça y est, ils ont dû en mettre découvert. Veraou, et on a été vu par les Romains. Veachav, Bain Alinu, Alien, et maintenant ils vont venir. Darkouz et Bazé, ils se sont poussés, ils se sont piétinés, et ils se sont tués. Veraouz et Bazé, et Yoter, Mimash, et Argou, Baem, Oivim. Et ils se sont tués plus que ce qu'avaient tué leur Oivim, leur. Voilà. Les Romains, exactement. Les méchants. Moi, je ne me rappelle plus comment on dit Oivim. Un Oyev, c'est un adversaire. Voilà. Donc, en deux mots, ils se sont auto-tués. Shitat Rashi, Veshitat Rambam, ils se sont tués avec leurs sandales. Étant donné qu'ils avaient des sandales avec des clous, en se piétinant, ils se sont tués. C'est la raison pour laquelle on ne met pas de sandales cloutées Shabbat. D'accord ? Shitat Tosfot, c'est les Romains qui avaient des sandales cloutées. Et car Katouba Midrash, que les femmes, elles perdaient leur bébé dès qu'elles entendaient les pas. Elles entendaient Marche même Vizicham, les gens qui ont vécu la guerre, ils te disaient que les bottes des Allemands, elles faisaient du bruit. Et ils tremblaient de ce bruit-là. C'est exactement cette histoire. Kaha, l'omet, toswat et tapchat. Pas qu'ils se sont tués avec leurs sandales, mais ils entendaient le bruit des sandales. Alors, caché le premier pchat. On va voir que le deuxième pchat, Tosot, il dit ça dans les deux autres pchats de la Gemara. Là, d'après ce pchat-là, ils n'ont rien entendu. Stam, ils avaient apparemment. Tosot, il explique de ce premier pchat, c'est que ça laissait des traces au sol parce qu'il y avait des clous. Ok ? Rabbi Lahi ben Azar Omer, Bamehara Yoshvin, ils étaient tranquilles. Veshamu kol me'al gabe Amehara. Ils ont entendu le bruit au-dessus de la Mehara, le bruit, d'après Tosot, des clous. Qui s'ouvrit Nayou chez Baou Aliem, ils pensaient qu'ils venaient sur eux, Oivim, les méchants, Darkouz et Eveze, Darkouz et Eze, Yoter Mima, Chargou, Ben, Oivim, se sont tués, d'après Rashi, à cause de leurs chaussures, d'après Tosot, parce qu'ils ont entendu le bruit des chaussures. Rami Bar Yecheskel Amar, Bebet Aknesset Ayoshim, ils étaient à la choule, Veshaku, Veshamu Kol, Meachore, Bet Aknesset, ils ont entendu le bruit derrière Bet Aknesset, comme si ils venaient pour les tuer. Kasouri Nayou chez Baou Aliem, Oivim, Darkouz et Bazé, Arkouz et Eze, Yoter Mima, Chargou, Ben, Oivim. Beotacha, à cause de ces trois histoires, peut-être que les trois sont vraies. Alors, Amrou, Aliyetse Adam et Sandal Amesuma. Peut-être que les trois histoires se sont vraiment réalisées. Ils ont dit alors là, Bémet, tout ça c'est à cause des sandales. Alors, c'est interdit de sortir avec les sandales cloutées Shabbat. Yachi Bechol Nami, Litzar. Alors, c'est comme ça. Même en semaine, on ne devrait pas avoir le droit. À cause du danger. La grande dit mais c'est qu'il y avait Shabbat avant. Non. Ce qui s'est passé, c'était Shabbat. On n'est pas recherche. Le danger, ce qu'on est recherche, c'est la Hagmat Nefesh, que les gens, Shabbat, alors qu'ils doivent être Bessimcha, ils vont penser à ce qui s'est passé avec ces sandales, et ils vont se replonger dans la tristesse. Alors c'est pour ça que Dafka Shabbat, on a interdit. Ah, Beyom Tov Ishtare, pourquoi Yom Tov c'est assourd ? Alors ici c'est à cause de Masé Shaya, ça s'est passé Shabbat, alors on devrait interdire Shabbat, mais pas le Chol, et pas Yom Tov. Yom Tov, ça devrait être moutard de mettre ses sandales. Mais Alama, pourtant il y a marqué Tnan, dans la Mishnah, il y a marqué, mais Shalchim Kelim Beyom Tov, on a le droit de s'envoyer des Kelim Yom Tov, ouais, de se faire des cadeaux, des habits, Ben Tfurim, Ben Shenan Tfurim, qui sont cousus ou pas, parce que même si c'est pas cousu, ben c'est un tissu avec lequel on peut se couvrir. Aval le sandal Mesouma, on n'a pas le droit de s'envoyer des sandales cloutées.
Donc même Yom Tov, c'est assur. Velomina al sheno tafori. On n'a pas le droit de s'envoyer des chaussures qui ne sont pas cousues parce qu'elles ne servent à rien. Beshabbat maïta, Malagma répond. C'est pourquoi Shabbat c'est assur. Deika kinufia, parce qu'on se réunit. Étant donné qu'on est tous réunis, on voit tous qu'on a les sandales cloutées. On se rappelle, hein, tu te rappelles ce qui s'est passé. On va partir en déprime, alors c'est pour ça que Shabbat c'est assur. Ben Yom Tov aussi, on se réunit. Le Shabbat, on va tous à la choule. Le Yom Tov, on va tous à la choule, pareil. Yom Tov d'Amika kinufia. Et donc c'est pour ça que et Shabbat et Yom Tov c'est assur, parce que c'est le même principe. Tanit Sibur Ika kinufia. Pourtant, Tanit Sibur, quand on déclare il y a un Tanit parce qu'il n'y a pas de pluie, ben on se réunit tous à la choule, pareil. Litsar, on devrait interdire aussi quand c'est en semaine. La Gemara répond, Maase qui avait Bekinufia des Isura. Ce qui s'est passé, c'est quand c'est une réunion où c'est assur de travailler. Mais quand c'est Taanit, c'est pas assur de travailler, c'est en semaine. Acha Kinufia des Terave. C'est quoi le pshat? C'est que quand c'est assur de travailler, alors les gens finalement, ils sont pas pressés par leur travail, ils vont commencer à parler, ils vont se rappeler de ce qui s'est passé avec ces sandales, c'est pour ça que c'est assur. Par contre, quand c'est Taanit, il n'y a pas de Isur de travail, ils vont aller travailler. Va filo Rabbi Hanina ben Akiva. Et même d'après Rabbi Hanina ben Akiva, de Amar lo asru ila biarden besfina kumase shaya. Que Rabbi Hanina ben Akiva, il dit, quand on fait une xéra, on fait une xéra exactement comme ça s'est passé. Une fois, on a ramené l'eau, ouais, ce qu'on appelle mechatat, l'eau pour mettre la cendre de la paradouma, il faut que ça soit tahor. On l'a ramené en bateau à travers le Yarden, le Jourdain. Et voilà que dans le bateau, on a trouvé kazaït shelmet. Donc l'eau, elle était. Alors que de ça, on a dit interdit de transporter la mechatat avec un bateau. Rabbi Hanina ben Akiva dit non. Ce qui s'est passé, c'était dans la Yarden. Alors c'est Dafka Yarden. Dafka Yarden, Dafka Besfina en bateau, ou Kima Secharia. Donc ici aussi, on devrait dire que, même pour Rabbi Hanina ben Akiva, qu'on est gozer comme ça s'est passé. Anemil et Lagma répond non. Ici, c'est différent. Parce que Yarden, Shani, Misharne, Arot. Le Jourdain Bémet, c'est un Jourdain qui est en Eretz Israël. Il est différent des autres Nérot. Donc quand on est gozer que le Jourdain. Aval Yom Tov et Shabbat Kadenium. Par contre, ici, même si ce qui s'est passé Shabbat, on va être gozer même Yom Tov parce que c'est pareil. Yom Tov et Shabbat, c'est la même chose. Les deux, c'est Assurbe, Asiat Melacha, Detan en Ben Yom Tov et Shabbat. Et là, Ochel Nefesh Bilvat, que la seule différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est quoi? C'est que Yom Tov, on a le droit de cuisiner. C'est tout. Tout le reste, c'est pareil. Shabbat, on n'a pas le droit de construire. Yom Tov, on n'a pas le droit de construire. Le même Issur Melacha qui a Shabbat, donc c'est pour ça qu'on n'a pas dit, même Rabbi Hanina Akiva, il pensera que et Shabbat Yom Tov, c'est assur de porter ses chaussures cloutées. Amar Rabbi Yehuda, et après on parlera de la Halacha, parce qu'aujourd'hui on a le droit de mettre des sandales cloutées. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, le Shanula, les Chazek, tout ce qu'on n'a pas le droit de mettre des sandales cloutées, c'est quand on a mis des clous pour les Chazek, pour que la sandale elle soit forte. Aval Lenoï, mais si c'est juste pour faire joli, Mouta. Quand c'est un ornement, comme aujourd'hui il y a des chaussures avec des clous, c'est moutard. Vekamalenoï, c'est quoi quand c'est moutard? Combien c'est le chiffre? Combien de clous j'ai le droit de mettre? Rabbi Hanama, Chamesh Bézé, 5 de chaque côté. Alors ici on parle que les clous, elles sont dessous la semelle. Les Rabbi Hanama, Sheva Bézé, 7 de chaque côté. Amarle Rabbi Hanama, Rav Shemen Baraba, Sibra Lecha, les Didi. Je vais t'expliquer. Les Didi, pour moi que c'est 5, Shtaimikan, Shtaimikan, 2 de chaque côté. V. Achat betarsiotam, une sur la sangle. Les Rabbi Hanina Gimel Mikan qui dit 7, 3 de chaque côté, V. Gimel Mikan, V. Achat betarsiotam. C'est clair? Métive. Sandale à noter. Une sandale qui n'est pas droite. C'est-à-dire qu'elle est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Donc elle penche. Quand tu mets ton pied par terre, il penche. Qu'est-ce qu'on fait? On va combler le vide avec des clous. Au Selo Sheva, je peux mettre 7 clous. Dit Rabbi Nathan. Le Rabbi Matir Begiud Gimel. Rabbi dit même 13. Bishlama le Rabbi Hanina. D'après Rabbi Hanina, il a 17 comme Rabbi Nathan. Ouda marque Rabbi Nathan. Et le Rabbi Yochanan qui a dit 5. Il n'y a personne qui dit 5 ici. C'est ou 7 ou 13. Il n'y a pas 5. Damar Keman, il a dit comme qui Rabbi Yochanan 5. La Gemara répond Ouda marque Rabbi Nora. Il y a un troisième Tana qui est Rabbi Nora. Tanya, Rabbi Nora, Omer, Chamesh Moutar. Sheva, Assur. 5 c'est Moutar, 7 c'est Assur. Amar le Efa, le Rabba Babachana, Efa qui était un Chacham, dit Rabba Babachana. À tout le Talmidé Rabbi Yochanan, vous êtes les Talmidim de Rabbi Yochanan, donc combien vous avez le droit de mettre de clous? 5. Avdouk Rabbi Yochanan. Anna, Navid Rabbi Yochanan, nous on est les Talmidim de Rabbi Yochanina, on peut en mettre 7. Baimine Rabuna Miravashi. Chamesh Mahou. 5 Moutar. Amaré, oui, Afilou Sheva. Il voulait le tester. Tu posais comme qui? Il dit, mais même 7 c'est Moutar. Tête Maï, alors 9. Amaré, Afilou Chet Assur. Non, même 8 Assur. Donc c'est 7 et pas plus.
Pourquoi Defka a des chiffres impairs? Parce que les zougotes, c'est assourd. C'est pour ça qu'on a dit 5, 7, et on n'a pas dit 4, 6. Bamine Aru Ratsana. Pourquoi c'est les zougotes, c'est assourd? Ah, les zougotes, c'est assourd. C'est marqué dans Masechet Psachim parce qu'il y a le Kohar Kshafim sur les zougotes. Par exemple, on ne mange jamais 2 olives, 2 œufs. On mange toujours 3. Eh oui, tu ne connais pas ça. On ne prend pas 2 verres de vin, on prend un troisième. Alors, il y a une fois un sandlar, un cordonnier, Aru Ratsana, il a posé une question en Arabiami. Mirabiami, yes. Tafro bifnim maou. Si bémet les clous, je ne les ai pas mis dehors, non, à l'extérieur de la sandale. Je les ai mis à l'intérieur pour que ça bloque la sandale, mais de l'intérieur, mi bifnim. De dessus, pas de dessous. Donc ça ne fait plus le bruit. Les chita tosfot, ça va bien. Il n'y a plus le bruit des clous sur le sol, comme les fers. Amar le moutard. Velo yadama maitama. J'ai dit, je n'ai pas compris pourquoi c'est moutard. Amar avashi, velo yadama maitama. Je ne sais pas pourquoi c'est moutard. Parce que quand on fait une xéra, comme il a dit Rabbi Chanina ben Akiva à l'extrême, on fait une xéra d'oumia des machéaya. Maïtama qui va des tafroumi bifnim avec les minal. Une fois que tu mets à l'intérieur, c'est plus une sandale, c'est une chaussure. C'est quoi la différence entre une sandale et une chaussure? Une chaussure, il y a quelque chose au-dessus dans lequel tu rentres ton pied. Une sandale, il n'y a rien, il y a juste des sangles. Donc là, machéaya, c'était sandale. C'était pas minal. Donc les chaussures, c'est moutard. Mais sandales gazrou berabanan, beminal ou gazrou berabanan. Tout ce qu'on a fait une xéra, c'est d'afka dans les sandales et pas dans les minalim. Donc déjà, si on a des chaussures avec des clous ou des fois on met des fers, on va chez le cordonnier pour pas que la semelle s'abîme, on met des fers, c'est moutard parce que c'est pas des sandales. Et même les sandales de l'époque, le Roche dit, on sait même plus à quoi ça ressemblait. Hein, il pouvait mettre le devant derrière, on sait même pas c'est quoi ces sandales. C'est pour ça que Bémet, Shukhan Ruch, il est posek, il est même pas posek sodine et le tour, il est matière. Baïmine. Il y en a qui veulent dire que si la sandale bémette, elle peut partir du pied, c'est assourd, mais les maasé de Shukhanor, il n'est même pas masqué. Bamine Rabbi Abba Bar Zavda. Rabbi Abba Bar Zavda, il a posé la question, mais Rabbi Abba Bar Avina, Asaou Kemin Kalbus, Maou. C'est quoi Kemin Kalbus? Tu as pris la sandale, tu as pris le clou, et tu as fait un U avec. C'est-à-dire qu'un clou, c'est droit. Donc tu rentres le clou de droit, droit. Mais imagine, tu l'as pris le clou, et tu as fait un U, et tu as rentré comme une agrafe. Tac. Maadine. C'est pareil? Alors il dit non, ça n'a rien à voir. Amar les moutards. Nous, ce qu'on a interdit, c'est quand c'est un clou, pas quand c'est un kalbous. Itman, on a mis Amar Rabbi. Ah si, Rabbi aussi, Rabbi Chanina, c'est ok, min kalbous, mouta. Amar Avchet, ripaou, kulo, bemasmerot. Toute la semelle, j'ai mis des clous. Toute la semelle, elle est en fer. Kedeshelote, karka, ochalato, pour pas que le karka, il abîme la semelle. Mouta. Tania Kavetelera, chéchette. Le yetsé aïch ve sandal mesouma, un homme n'a pas le droit de sortir avec les sandales cloutées, ve lo yetayem mi baït le baït. Même dans ta maison, tu n'as pas le droit de bouger, afil mi mita imita, même d'un lit à un autre. Même pas de changer de chambre, même dans la même chambre. Aval metaltin oto, les chassot bo et akli, mais tu as le droit par contre de prendre la sandale, c'est pas mouktsé, les tsorech goufo, le tsorech mokomo pour mettre sur un cli. C'est-à-dire que tu as le droit de t'en servir. Ve smorbo kramita, ou si par exemple ton lit il est bancal. Tu as remarqué que quand tu tournes dans la nuit, le lit bouge, tu mets la sandale dessus. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon aussi. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon dit, étant donné que c'est assourd de les mettre, alors c'est assourd de les porter. Pourquoi? De peur que tu les mettes. Nashru Rav Masmirota. Maintenant, si tous les clous y sont tombés, Vinishte Erbo Arba Ochamej, il en reste 4 ou 5, Mouta. Rabbi Matir, Hatcheva, Rabbi les Matir jusqu'à 7. Ripaou Beor Milemata, j'ai mis une semelle en cuir dessous. Pas en bois, parce que leurs sandales étaient en bois. J'ai mis une semelle en cuir. Les cavalomas merot, mais les malas. Et la semelle en cuir, comme nos chaussures. Comment elles sont faites, nos chaussures? La couture, elle est au-dessus. Alors j'ai mis les clous au-dessus, pareil. Kedeshelote et karka ochalto, pour pas que le sol y mange la semelle. Ça, c'est moutard, parce que c'est pas comme ils avaient fait à l'époque. Ah, goufakash, je ne comprends pas. J'ai un problème ici. Pourquoi? D'un côté, tu me dis, nashro, ramas merotav, si on avait par exemple 50. Et il y en a 30 qui sont tombés, c'est moutard. Combien il en reste? 20. Afalgav nishtayurube et tout va. Même s'il en reste 20, c'est moutard, apparemment. Parce qu'il faut juste que ce soit le rov qui soit tombé. Et de l'autre côté, va à Dartané. Ensuite, tu me dis, Arba ou Khamesh, s'il en reste 4 ou 5, c'est moutard. In, tu fais, si c'est plus long, l'eau. Donc je crois en bas. D'un côté, tu me dis que l'essentiel, c'est que le rov soit tombé. D'un autre côté, tu me dis qu'il faut qu'il en reste 4 ou 5. Donc c'est caché. Amarav shechet, l'eau caché. Akanchenig, memu, kanchenikru. Ça dépend. Est-ce qu'ils ont été coupés? Où est-ce qu'ils sont tombés? Quand ils ont été coupés, alors on voit que Bémet, c'est plus du tout des clous. Ça a été coupé. Il n'y a plus de clous. Il a été coupé. Par contre, s'il est tombé, ce qui reste, il est entier.
Alors là, il faut qu'il en reste que 4 ou 5, comme quand on a le droit de les mettre midechatrila pour faire joli. Arba ou Khamesh Moutar. Et comme on dit, Ashta Khamesh, Shari, Arba, Mibaya. Si déjà 5 tu as le droit, alors 4 aussi. Pourquoi tu as besoin de dire 4 ou 5? Amar Afrizda, Arba, Misandal Katan, Vichamesh, Misandal Gadol. Ça dépend de la grandeur. Si c'est une grosse chaussure, 5, petite 4. Verabi Matir Ad Sheva, Rabbi dit jusqu'à 7. Tanya, Rabbi Matir Ad Shlosa Asa. Pourtant, Rabbi l'a dit Shlosha Esre, 13. Alors c'est 7 ou 13? Notez Chané, la grande dit, mais ça dépend. Quand je fais pour faire joli, 7. Quand c'est parce que j'ai un déséquilibre sur ma chaussure et je dois combler le trou, alors là même 13. Hashtagat Leachim, maintenant que tu m'as fait la différence entre la réparation d'une chaussure et la beauté d'une chaussure, alors même sur la question qu'on avait posée sur Rabbi Yochanan, je pourrais répondre ça. Et Rabbi Yochanan a mis le kacha, noté Chané. Alors on avait dit, Rabbi Yochanan qui a dit 5, c'est ni 7 ni 13. Alors comme qui l'a parlé, on dit comme Rabbi Nouraï, on n'a pas besoin de dire ça. La Braïta, elle parlait de noter, et quand c'est pour combler la pente de la chaussure, alors même Rabbi Yochanan il pensera que 7 c'est mouta. Metsuyan, Amarav Matnam, Vamrela Amarav, Achdavoy, Bar Matna, Amarav, au nom de Rav, au nom de Rav Matna, pardon, En Alacha, Kerav Zerber Rav Shimon. L'Alacha, il n'est pas comme Rabbi Zerber Rav Shimon, il a interdit carrément de déplacer une sandale à Mesoumar. C'est assour, tu n'as même pas le droit. Mouktse, comme Mechamat Kisarankis, tu n'as pas le droit de la déplacer. Il dit l'Alacha n'est pas comme lui. Tu as le droit. Les tsoura goufoum, comme aussi mouta. Même si tu n'as pas le droit de les mettre, tu as le droit de la déplacer. La grande dit pshita, évident. Pourquoi? Yachid verabim l'Alacha ke Rabim. Donc, Jechachamim, comme contre Rabbi Shimon Azar, pourquoi tu me dis, t'inquiète pas, hein, l'Alacha n'est pas comme lui. Évidemment que l'Alacha n'est pas comme lui. C'est Yachid. Maud était mal, la grande a dit, j'aurais pu croire en Mistabra, Tamad, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. J'aurais pu dire que le Tam, il est Mistaber. Et donc, on sera possède comme un Yachid, même Neged Rabim. Béa, Kamashmalan, que non, Kamashmalan, qu'on n'est pas posé comme lui. Qu'est-ce qu'on voit ici, un Yesod, Atsum? Alors, c'est vrai qu'il y a un cas qui dit Yachid Verabim, Alacha Kerabim. Mais apparemment, si le Ta'am du Yachid est l'Emistaber, alors on sera posé comme le Yachid. C'est incroyable, parce que Béhémet, des fois, on est posé comme un Yachid, on n'est pas posé comme le Rabim. Comment ça se fait? Parce que quand Ta'amo Mistaber, on est posé comme le Yachid. Kachakatou Vagman. Ici, c'est pas le cas, mais machma que c'est possible. Amara Bichia, il a des carolés babla et charé. Si c'est pas parce que on m'aurait appelé le Babylonien qui est matir à col, Rabbi Chia il dit qu'il était en Babel. Si c'est pas que j'avais peur qu'on m'appelle Bablaï, Charé, le Babylonien qui est matir, il sourait, qui est matir le Yisourim, Charin abe, tout va, j'aurais été matir même plus que 7, même plus que 13. Mais Kama, combien tu aurais été matir de mètres de clous? Mais Poun Pedita Amrin, Esrin Varba, 24. Mais Soura Amrin, Esrin et Tartev, 22. Amar Amnacham Baritzrag, Vesimaner, comment on fait pour savoir qui a dit quoi? Adatemi Pumpedita, les Sura, jusqu'à ce que tu viennes de Pumpedita à Sura. Pumpedita, il y a 8 lettres. Sura, il y en a 4. Donc c'est la moitié. Chaser, Tarte, tu en enlèves 2. C'est-à-dire que tu enlèves la moitié. Ici aussi, de 24 à 22, c'est pas la moitié, mais c'est le chiffre. Là, je divise par 2, là, j'enlève 2. Donc c'est comme ça qu'on se rappelle que Pumpedita, il y avait 24 et à Sura, il y en avait 22. Atkan, demain, on continue. Bezrat Hashem, maintenant, on va passer à Rachid.